Amen, Sidi. Dans son agenda de travail ce matin, le roi du Maroc a bien prévu cet entretien, en tête à tête avec le professeur Daniel Naoundo, premier ministre et chef du gouvernement gabonais. L'échange du salon marocain a permis de revisiter l'axe Libreville-Rabat, un partenariat intense et multiforme que les dirigeants des deux pays entendent porter encore plus haut dans l'intérêt des peuples gabonais et marocains. Sa Majesté vient de me recevoir pendant un long moment. Nous avons parlé des rapports bilatéraux entre le Gabon et le Maroc. Vous savez qu'au niveau de la coopération entre les deux pays, la coopération est tellement excellente entre les deux hommes d'État. Donc il faudrait mettre la coopération économique au même niveau. Nous avons fait le tour de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Maroc. Le roi est disposé à aider le Gabon dans tous les domaines économiques. Je crois que c'est ça le plus important. C'était un entretien très ouvert. Un entretien, on ne dirait pas qu'on travaille avec le roi. Vous savez que c'est un homme d'esprit moderne, d'esprit jeune, dont j'ai été vraiment honoré de pouvoir être conseillé sur les tâches qui sont les miennes au niveau politique et de pouvoir tirer le maximum de l'expérience du roi. Vieille de plus de 4 décennies, la coopération gabono-marocaine s'étoffe et se consolide au fil des ans et des actes de coopération. Cette visite bilatérale, la seconde du roi Mohamed VI au Gabon depuis l'année 2009, s'inscrit bien dans cette lignée.